m'a sauvé, il m'a sauvé par son sang, il m'a purifié de tout péché. Et maintenant, tout le monde chante dans son marcher, servir, toujours, mon âme heureuse, dans sa présence, jour après jour. Parfait bonheur, j'ai le bonheur. Parfait bonheur, parfait bonheur. Depuis le jour où son Saint-Esprit, depuis le jour où son Esprit vint dans mon cœur, il me bénit, bénit, il me guérit. Avec Christ tout est harmoni, mon âme heureuse, dans sa présence, jour après jour, jour après jour, et rassasié de vrai. L'appel divin, entends, enfin, l'appel divin. Te réfugier dans son sein, viens à Jésus. À tout pécheur qui se repent, il tend les bras. La paix, la joie, la paix, la joie.
comme ça, ils ne peuvent pas suivre ce côté-ci, ils ne pourront pas suivre le tableau. Il faut les mettre un peu dans ce côté-là. Je crois que c'est sage. Hein. Il faut les mettre un peu, je vais les voir en train de tendre le cou, essayer de voir sur le tableau. Ce serait bien de les mettre un peu de ce côté-là. Un petit chant, All Hail King Jesus, on va accueillir les frères venir. Brother, you just feel free. Hein? God bless you. Hein? All Hail King Jesus. All Hail Emmanuel, King of Kings, King of Kings, Lord of Lords, Black Star. All throughout eternity, I'll sing your praise. Avec les mains levées, dernière fois avant que le feu arrive à la chair. All hail King Jesus. All hail. God bless you all this morning. Je vous bénisse tous ce matin. It's certainly a great privilege to be here this morning. C'est certainement un grand privilège d'être ici ce matin. Amen. I believe the pastor has already introduced me. Je crois que le pasteur m'a déjà introduit. So I feel quite free and I feel like I'm one of you this Alors, morning. Je me sens vraiment libre et comme l'un d'entre vous ce matin. Amen. Hallelujah. We come from God and we're going back to God. Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Amen. I feel more at home among you than among my own people. Bien, je me sens plus à la maison parmi vous que chez moi là-bas. Hey, c'est bien. Amen. Praise His wonderful name. I'd like to thank Pastor Nanda Chetty for allowing us to come. J'aimerais bien remercier le pasteur Nanda Chetty de nous avoir permis de venir. He has been a tremendous blessing to our church in Cape Town, South Africa. Il a été une bénédiction pour nous là-bas à l'église en Sud-Afrique. And he's always been a blessing whenever he came. Amen. Il a toujours été une bénédiction à chaque fois qu'il est là-bas. And Pastor Beckett said I should greet you, and he loves you, et and the church greets you as well. Le pasteur Beckett m'a demandé de vous saluer et de vous dire qu'il vous aime et l'église aussi vous salue. Amen. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Amen. I've been an associate with Brother Beckett for over almost 30 years now. J'ai été un associé du pasteur Beckett un peu plus de 30 ans maintenant. So by God's grace we've been in the field together and working together. Par la grâce de Dieu, on a été dans le champ ensemble, œuvrant ensemble. And it's been a great honor to work along with a man of God like him. Eh bien, ça a été un grand honneur d'œuvrer à côté d'un grand homme de Dieu comme le frère Beckett. Amen. I believe you appreciated his ministry when he was here. Je crois que vous avez apprécié son ministère quand il était ici, le frère Beckett. Amen. 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 So God richly bless all of you. Ainsi que Dieu vous bénisse richement tout le monde qui est là. Actually, it's a great privilege for me to have my wife with me this time. Eh bien, actuellement, c'est un grand privilège pour moi d'avoir mon épouse avec moi ici là en ce temps-ci. She's now a mother of four big boys. Elle est la maman de quatre grands garçons, hein. She never used to travel with me. Elle n'avait pas l'habitude de voyager avec moi. Because the kids were just small. Parce que les enfants étaient petits à l'époque. But now I say they can take care of themselves. Mais je dis maintenant les enfants peuvent prendre soin d'eux-mêmes, hein, on va partir. And it's a real comfort to have her on my side. Et c'est vraiment une grande consolation, un réconfort de l'avoir à mes côtés durant ce voyage. I believe any successful man of God is successful because there is a praying wife behind them. Je crois que derrière tout homme de Dieu qui a du succès, c'est parce qu'il y a une femme de prière qui est derrière. Amen. So God richly bless our sisters. Amen. Ainsi for the work Dieu they do. Bénisse richement toutes nos sœurs.
Amen. Amen. Let's go straight to the word of the Lord, not to keep you too long standing. Alors, pour ne pas vous garder longtemps debout, allons directement à la parole. Excusez-moi, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? C'est clair, c'est trop fort. C'est bon? C'est clair, tout le monde? Très bien. Acts n'oubliez chapter. Pas, n'oubliez pas, wait for the brother to preach first. Attendez que le frère prêche d'abord. And then I interpret. À cause de ceux qui ne comprennent pas, j'interprète. And then you say amen. 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 Vous dites amen. Je sais que vous comprenez l'anglais. I'm almost them. They understand English, but they will shout amen before the other one understands. Okay. Yeah, yeah. Right. So let's go to Acts chapter 3. Les Actes des Apôtres au chapitre 3. I'm reading from verse 19. Je lis à partir du verset 19. Acte 3, je lis à partir du verset 19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. And he shall send Jesus Christ, which was before preached unto you, whom the heaven must receive until the time of restitution of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Et en français, le verset est changé. Je reprends un peu le verset 20, la dernière partie. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Amen. Let's also read Matthew 17, verse 10. Aussi, nous lisons Matthieu 17, au verset 10. Êtes-vous prêts ce matin? Ouvrez vos cœurs et bien sûr, il t'amène à la parole. And his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias must first come? Verset 10 de Matthieu 17, les disciples lui firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. Verset 11, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir, l'anglais dit qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Let us pray. On va prier pour la parole. Father, we have read your word this morning. Père, nous avons lu ta parole ce matin. Your word is already inspired. Ta parole est déjà inspirée. I pray that you inspire the speaker this morning. Je prie pour que tu inspires celui qui parlera ce matin. You inspire the hearers this morning. Que tu puisses aussi inspirer l'auditoire ce that matin. That we may receive the blessing from your inspired word. Afin que nous puissions recevoir la bénédiction de ta parole inspirée. We ask these mercies in Jesus' name. Nous demandons, Seigneur, ces bénédictions dans le nom de Jésus. For your glory and honor. Pour ta gloire et pour ton honneur. Amen and amen. Amen, amen. Amen. You may take your seats. Vous pouvez vous asseoir. Now this morning I'd like to take a subject and speak on the times of restitution. Alors ce matin, le sujet que je vais traiter, ce serait les temps de restitution. Hein, les temps. Amen. Les temps de restitution. Amen. Amen. Restitution means restoration. Ainsi, le mot restitution veut dire restauration. Amen. Amen. And we have read here that Paul said in the book of Acts. Nous avons lu ici que Paul a déclaré dans le livre des Actes. He says that the heavens will receive Jesus Christ until the times of restitution. Que les cieux devraient d'abord recevoir Jésus-Christ jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses, hein? Rétablir, restitution, eh bien tout ça, restauration. Amen. Amen. Remember that Christ went to Calvary. Rappelez-vous que le Christ est allé au calvaire. He shed his own blood. Il a versé son propre sang. So that he could redeem you and I back to himself again. Afin qu'il puisse vous racheter, vous et moi, de nouveau à lui. After the resurrection from the grave, après la résurrection du tombeau,
It took him about, I think it was 40 days, and then he ascended into heaven. Je crois que cela lui a coûté 40 jours. Il était sur la terre, et puis ça, il est remonté au ciel après 40 jours. According to the scripture we have read, selon les écritures qu'on a lues là dans Acte 3, Paul says the heavens must receive him. Il dit que les cieux doit recevoir Jésus-Christ. Hein? Until il est reparti, le ciel devait le recevoir jusqu'au temps. Until jusqu'à, hein? Jusqu'au this period of time. Jusqu'au temps. Mais il y avait une période de temps où il serait reçu au ciel jusqu'à un certain temps. Amen. Amen. He will not remain in the heavens. Il ne va pas demeurer dans le ciel. He will remain there until. Il va demeurer au ciel jusqu'à. Il y aura un moment où il va descendre, hein, il va revenir. Glory to God. Gloire à Dieu. Until the time of restitution. Il y a jusqu'au temps du rétablissement. When all things are restored. Quand toutes les choses seront rétablies, restaurées. When all things are put in place exactly according to God's word. Quand toutes les choses seront mises dans leur place selon la parole de Dieu. Then Christ has to return. Et alors Christ aura à retourner. You believe that this morning? Est-ce que vous le croyez ce matin? Hallelujah. Hallelujah. Now I'm going to normally when I preach this message I take about two services to preach it. Normalement, quand j'ai prêché ce message, j'ai pris deux réunions pour prêcher cette prédication. But I'm going to condense it this morning, I believe. Je vais essayer de condenser ces deux prédications en une seule prédication. D'accord, l'Église? Vous êtes prêts, là? Pas fatigué, hein? Amen. Amen. So it depends on how you pull. That's how long I'm going to be. Alors, ça dépendra comment vous allez tirer chez le prédicateur. Ça dépendra sur quelle sera la longueur de ma prédication. Amen. Amen. Now, if we look into the Old Testament, là, si nous voyons le Testament, we find there was a glorious age of Israel. Il y avait un temps glorieux à l'époque d'Israël. The most glorious age of Israel was when Solomon was the king. L'âge le plus glorieux qui était en Israël, c'était quand Salomon était le roi d'Israël. David wanted to build God a house. David voulait construire un temple pour Dieu, la maison de Dieu. But the Lord said unto him, "Not you, David. You shed too much blood." Mais Dieu a dit à David, ce sera pas toi qui construira le temple. Tu as versé trop de sang. But your son from your own loins. Mais ton propre fils qui vient de tes entrailles, c'est lui qui construira. He will build me that house. C'est lui qui me construira une maison. Amen. Amen. And we find that at the time when the temple of Solomon was built. Et nous voyons que le temps où le temple de Salomon a été construit, it was almost like a millennium to Israel. Eh bien, pour Israël, le temps de Salomon représentait comme un millénium. Hein? Durant le règne de Salomon, c'était comme un millénium. Israel was at peace with all its neighbors. Israël était en paix avec tous les voisins qui étaient là. Vous vous rappelez? Israël n'avait pas de guerre au temps de Salomon. All what they needed for the temple they got from far countries and they were all in oneness with Israel. Eh bien tous les matériaux qu'ils avaient besoin pour construire le temple, ils l'obtenaient de tous les pays avoisinants parce que tous les pays étaient en paix avec Salomon. It was a great house that Solomon built. C'était une grande maison qu'avait construite Salomon. When the house was finished built. Quand la maison était complétée, and Solomon was about to dedicate it, et que Salomon était sur le point de dédicacer le temple, the Bible says the pillar of fire came down and dedicated the house himself. La Bible nous déclare que la colonne de feu est descendue elle-même et a rempli toute la maison ce jour-là. The ministers were unable to minister. Même les ministres, ceux qui officiaient au temple, ne pouvaient plus même administrer dans le temple. Because God himself came down in that house. Parce que Dieu lui-même était descendu dans cette maison-là. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But when Solomon died, mais quand Salomon est mort, and other kings came in, et que d'autres rois ont succédé à Salomon, and they took the people away from the word of God, et ils ont éloigné le peuple de Dieu, loin de la parole de Dieu. Then we found that a heathen nation came and overtook the temple. Et nous avons vu à peu près la suite qu'une nation païenne est venue et ils ont conquis le temple de Salomon.
They destroyed the house of God. Cette nation païenne avait détruit la maison de Dieu. They took the ark. They took everything from there. Ils ont ôté l'arche de l'alliance. Ils ont pris tous les ustensiles qui se trouvaient dans le temple de Salomon. That house which was so great. Cette maison qui était si grande. Became, amen, something to abhor in the sight of the people. C'était quelque chose que, eh bien, comme si même Dieu répugnait de voir ce temple. It was destroyed right to the ground. Ce temple, cette maison de Dieu que Salomon avait construite, était détruite jusqu'à la fondation là. But God is in the restoration business. Mais Dieu est toujours dans les affaires, en train de restaurer. Amen. Amen. When God starts something, quand Dieu débute quelque chose, He doesn't stop halfway. Il ne s'arrête pas à mi-chemin. No matter what Satan does, peu importe ce que Satan peut faire, no matter how much opposition there is, peu importe combien d'opposition il peut y avoir, He's not going to cease from doing what He's got in His mind to do. Dieu ne cessera jamais de continuer à faire ce qu'il avait dans sa pensée à exécuter. So he raises up Zerubbabel. Alors Dieu maintenant suscite un Zorobabel. He raises up Haggai. Il suscite un Agé. He raises up Joshua. Il suscite Josué. He raises up men with vision. Il suscite des hommes avec des visions. He says, "Look at this house." Yo, regarde à ma maison. How the enemy has destroyed it. Comment l'ennemi a détruit ma maison. But I am raising you up to restore. Mais je vous suscite pour pouvoir restituer ma maison. And God says, "The glory of the former, of the latter house." Il dit que la gloire, n'est-ce pas, de cette dernière maison will be greater than the glory of the former. Sera plus grande que la gloire de la maison qui a été détruite. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So if you wanted to hold on to Solomon's temple, si vous voulez toujours vous accrocher au temple de Salomon, God says what I'm going to do through these men. Mais Dieu déclarait que moi ce que je vais faire au sein de ces hommes que moi j'ai suscité là, will be greater than Solomon had done. Ce sera bien plus grand que ce que Salomon a construit là-bas. Amen. Amen. A greater than Solomon is here. Un plus grand que Salomon est ici. Glory to the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You can go read the whole account. Vous pouvez aller lire tout le compte rendu à la maison. Of this glorious temple. Vous allez lire le compte rendu sur cette glorieux, ce glorieux temple. In the book of Ezra, chapters 1 all the way to chapter 5. Vous lisez dans le livre d'Esdras, c'est du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5. But I want to stand still here. Mais là, je veux m'arrêter un instant. Just to let you know this morning, juste pour vous faire savoir ce matin, that the promised word of God is, que la parole promise de Dieu, that the glory of the latter, que la gloire de la dernière maison, will be greater than the glory of the former, sera plus grande que la gloire de la première maison. Vous le croyez, l'Église? We can never limit God. Nous ne pouvons jamais limiter Dieu. We can never limit him to a certain era. Vous ne pouvez jamais limiter Dieu seulement à une période, à un âge spécifique. We can never limit him to a certain man. Vous ne pouvez pas limiter Dieu à un certain homme uniquement. Amen. Amen. God is able to do more than he did before. Dieu est capable de faire plus ce qu'il a fait avant. Vous le croyez? Amen. Amen. If he could deliver you from smoking, si Dieu peut te délivrer de la cigarette, if he could deliver you from drinking, si peut te délivrer de la boisson, where all the organizations, social organizations in Mauritius couldn't do it for you, où toutes les sociétés là qui s'engagent à délivrer les gens de l'alcoolisme ne peuvent pas vous délivrer, mais si Dieu peut vous délivrer, if he could heal you from a disease, si Dieu peut vous guérir d'une certaine maladie, then that same God can change your body from mortal to immortality. Et ce même Dieu peut transformer vos corps du mortel à l'immortalité. Hallelujah. Hallelujah. The same faith. La même foi, that brought you into the message, la même foi qui vous a fait pénétrer ce message, is the same faith that will take you out of this body. C'est ce même foi qui vous ôtera hors de ce corps. Amen. Amen. Because that God is able to do it. C'est ce Dieu-là est capable de l'accomplir. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Elijah one time, Élie un jour, he challenged the Baal prophets. Eh bien, il avait lancé un défi aux prophètes de Baal. He had them at a showdown. Ils étaient là à une confrontation sur le mont Carmel. Brother Toto took us out to a place here where we saw one of the gods of the Hindus, I believe. Et le frère Toto nous a emmené à un endroit là où on a vu un des dieux des hindous là, c'est à Grand Bassin, hein, vous connaissez le grand. Hein. La grande statue. Yes. Yeah. So on this day, Elijah. Mais ce jour-là, là-bas, au temps de la Bible, Élie. He had a showdown with people that worship gods like these people do. Il avait à confronter ces gens-là, les prophètes de Baal, qui adoraient Dieu comme là, on le fait ici, là-bas. And Elijah made, he made the what is the word I'm looking for? He made the challenge so high. Et Élie a fait que les conditions du défi soient si haut. He says the God that'll answer by fire. Et que le Dieu qui répond par le feu soit reconnu comme Dieu. Not fire that you strike with a match. Non, pas le feu qu'on allume avec une allumette, pas ce feu-là. Not fire that you strike with stones. Pas le feu qu'on fait avec les pierres qu'on frotte comme ça. Non. But the God that answers by a holy fire. Mais le Dieu qui répond par un feu saint. Elijah says, "Let that God be God." Et que ce Dieu-là soit reconnu comme Dieu. Amen. Amen. So as all men of God are. Ainsi comme tous les hommes de Dieu, comme nous le sommes, nous tous les hommes de Dieu. They always honor somebody above themselves. Et toujours, ils honorent quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Elijah says, you take the time. Alors l'homme de Dieu, il honore les autres. Il dit, ben, vous en premier, prophète de Baal, commencez vos incantations, et ainsi de suite. Yeah. Call upon your God. Voilà, appelez, invoquez votre Dieu. And the Bible says they called whole day. Et la Bible déclare que durant toute la journée, ils ont fait des invocations à leur Dieu. They were so frustrated. Et à la fin, tellement frustrés. They cut themselves with knives and blades. Ils ont dit dans la Bible qu'ils se sont fait des incisions avec des couteaux, avec des lames, tout ça. Because their God was dead. Parce que leur Dieu était mort. Their God could not hear. Leur Dieu n'entendait pas. Their God could not see. Leur Dieu ne voyait pas. Their God could not meet their requests. Leur Dieu ne pouvait pas répondre à leurs demandes. And Elijah made fun of them. Et Élie s'est moqué d'eux. He says, maybe your God went on a holiday. Peut-être que votre Dieu est parti en vacances. Maybe your God went to Cape Town. Peut-être que votre Dieu est parti à Cape Town. He cannot hear you. Il peut pas vous entendre. Amen. Amen. They were frustrated. Ils étaient frustrés en colère. But Elijah knew who God is. Mais Élie savait qui était Dieu. Amen. Amen. At the evening time. Au temps du soir. Alléluia. Not in the morning. Pas le matin. Not in the afternoon. Pas l'après-midi. At the evening time. Mais au temps du soir. After these guys were finished. Après que ces gars-là ont terminé avec leur prière. The Bible says Elijah rebuilt the altar. La Bible déclare que Élie avait réparé l'autel. There's got to be a restoration. Il doit y avoir une restauration. The glory of God cannot come down. La gloire de Dieu ne peut pas descendre. If the altar has not been restored. Si l'autel n'a pas été restauré. So the first thing the prophet Elijah did. La première chose qu'Élie a faite. He restores the altar. Il a réparé, restauré l'autel. Hallelujah. Hallelujah. He puts the sacrifice on the altar. Il a placé le sacrifice sur l'autel. He puts the hood on the altar. Il a mis le bois sur l'autel. He pours the water on the sacrifice. Il a versé de l'eau sur le sacrifice. Until no one could hold the water. Jusqu'à ce que l'eau même ne peut plus pénétrer, hein? La terre même ne pouvait plus retenir de l'eau. When he has done that, quand il a complété cela, he says, Lord, il a dit, Seigneur, Elijah. Oh, Élie didn't fast for 40 days. Il n'a pas jeûné pendant 40 jours. Elijah, Élie didn't run around the building. Il n'a pas couru autour du bâtiment. To bring the spirit of God down. Pour faire descendre l'esprit de Dieu. Elijah non. Said a simple prayer. Mais Élie n'a fait qu'une simple prière. He says, Lord, dit, Seigneur, I have rebuilt the altar. J'ai reconstruit l'autel. I have placed the sacrifice on the altar. J'ai placé le sacrifice sur l'autel. He says, Lord, now according to your word. Seigneur, mais maintenant
selon ta parole. Consume the fire. Consume le sacrifice. Consume le sacrifice. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. If the sacrifice is here this morning. Si le sacrifice est ici ce matin. The revealed word of the hour. La parole révélée de l'heure Glory est là. Glory to God. Gloire à Dieu. If it's here this morning. Si la parole est ici ce matin. We don't have to fast for 40 days. Et c'est pas nécessaire de jeûner pendant 40 jours. We don't have to run around the building. Nous n'avons pas de courir autour du bâtiment. We don't have to do fantastic things. Et c'est pas nécessaire de faire des choses fantastiques. According to thy word, O Lord. Selon ta parole, Let Seigneur. Let your glory come down. Que ta gloire descende. Hallelujah. Hallelujah. God is responsible. Dieu est responsable. Lord is responsible. Dieu est responsable. It's not me. Ce n'est pas moi. It's not the pastor this ce n'est morning. Pas le pasteur ce matin. It's no one around the world this morning. Ce n'est personne autour du monde. God himself is responsible. Dieu lui-même est responsable. Praise his wonderful name. Gloire à son nom merveilleux. Don't you believe that this morning? Est-ce que vous le croyez ce matin? Hallelujah. Hallelujah. That's why the message of the hour voilà pourquoi le message de l'heure is a message of restoration. C'est un message de restitution, de restauration. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? We came from our different traditions. Peut-être nous sommes venus de différentes traditions. We came from our different religions. Nous sommes venus de différentes religions. We came into this message. Nous sommes venus dans le message. But we couldn't come just and worship. Mais nous ne pouvons pas seulement venir et adorer comme ça. First, all of those things had to be made right. D'abord, toutes les choses qu'on a commises mal devaient être restituées. Hein? Mettre de l'ordre d'abord. The altar of the Lord had to be restored. Il faut restaurer l'autel du Seigneur. Some remettre of us, les choses en état comme il faut. Amen. Some of us believed in three gods. Il y a de ceux qui croient qu'il y a trois dieux. Others believed in many other gods. Il y a d'autres qui croient dans plusieurs autres dieux. Amen. Amen. God had to restore the Godhead. Dieu devrait d'abord restituer, rétablir, ramener la notion de la divinité. Amen. Amen. We had to come to an understanding, a revelation. Il nous faut arriver à une compréhension, à la révélation. That there is only one God. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Hallelujah. Hallelujah. He can use many offices. Il peut se servir de plusieurs fonctions. That same God can use many offices. Ce même Dieu peut utiliser plusieurs offices ou fonctions. But he remains one. Mais il demeure un seul Dieu. Hallelujah. Hallelujah. He can use your pastor. Il peut utiliser votre pasteur. He can use me. Il peut m'utiliser. He can use Brother Branham. Il peut utiliser le frère Branham. He can use the flesh of Jesus Christ. Il peut utiliser la chair de Jésus-Christ. He can use anyone he wants to. Il peut utiliser n'importe qui qu'il veut. But he remains God. Mais il demeure Dieu. Hallelujah. Hallelujah. The seals are to be removed. Eh bien, les sceaux devaient être ôtés. The mystery are to be made known. Le mystère devrait être révélé. Many things we can mention to you this morning. Ce matin, faut vous mentionner beaucoup de choses. Had to be brought back to the original pattern. Eh bien, Dieu voulait ramener tout d'après le modèle originel. Because it's only then. C'est à ce moment-là, alors uniquement à ce moment-là. When the glory of God. Où la gloire de Dieu allait descendre quand les choses retourneront au plan originel. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let me read you a quote or two. Je vais vous lire une citation ou bien deux même. The prophet of God says in Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Faut voir 5 12 53 pas. Et 6 Jésus-Christ l'année 53 5 15 décembre. Jésus-Christ le même hier aujourd'hui. 15 février. It is to my humble belief. Paragraphe 4. That we 6 It is to my humble belief that we are near the end time. Et je sais, à mon humble avis, que nous vivons, on vit à la fin des temps. Or may I make it a little more personal than that? Ou bien je peux le rendre un peu plus personnel que ceci. Saying we are living in the end time. Je dirais que nous vivons dans la fin des temps.
I believe it's time for restoration. Je crois que c'est le temps de la restauration. Of the church that was promised that God would send in the last days. La restauration de l'église que Dieu avait promise qu'il enverrait dans les derniers jours. And I believe that this is the day that when the word has been preached so much. 15 février 53, quelqu'un à côté note. 15 février 53, paragraphe 6. Et je crois que nous vivons dans un jour où la parole a été prêchée, a été tant prêchée. And the day is getting so dark and so evil. Et les jours deviennent tellement sombres et le mal. Till according to God's word. Jusqu'à ce que, d'après la parole de Dieu, he was to restore all that the caterpillar had eaten. Il devrait restaurer, rétablir tout ce qu'a, eh bien, tout ce que le hasil a dévoré. The palm worm had eaten. Tout ce que le gazon avait dévoré. Will be restored back. Serait restitué à nouveau. And this is the day of the restoration. Et c'est aujourd'hui le jour de la restauration. Of the spiritual gifts given to the church. Des dons spirituels donnés à l'église. This is the day of restoration. C'est maintenant le jour de la restauration. This is not man's day. Ce n'est pas le jour de l'homme aujourd'hui. This is the day of the Lord himself. C'est le jour du Seigneur lui-même. Amen. Amen. In what is the Holy Ghost, paragraph 85. Donc, c'est quoi le Saint-Esprit? 16, 12, 59, paragraphe 85. 16, 12, 59, 85. He says, "We are at the end time." Il dit, nous sommes à la fin. Listen. Écoutez. That's what the Holy Ghost does. C'est ce que fait le Saint-Esprit. The Holy Ghost by justification. Le Saint-Esprit par la justification. Just a shadow of it. C'est seulement une ombre. It's the Holy Ghost by sanctification. C'est le Saint-Esprit par sanctification. A little deeper shadow of it. Une ombre plus prolongée de la chose. The Holy Ghost by the baptism of it. Le Saint-Esprit maintenant par le baptême du Saint-Esprit. A deeper shadow of it. Une ombre plus prononcée. Now the Holy Ghost by the restoration of its very person being here. Maintenant c'est le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même étant ici présent. Vous le croyez, l'Église? Amen. Amen. Forming signs and wonders like he did in the beginning. Formant des signes et des prodiges comme il l'a fait au commencement. Amen. Amen. The Holy Ghost in progression. Maintenant, il parle du Saint-Esprit dans l'évolution. The Holy Ghost by justification. D'abord le Saint-Esprit par justification. The Holy Ghost by sanctification. Le Saint-Esprit par sanctification. The Holy Ghost by the restoration of the gifts of the Spirit. Le Saint-Esprit par la restauration des dons spirituels. But now. Mais maintenant. Now. Maintenant. The Holy Ghost himself. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est présent. Hallelujah. Hallelujah. Not the gifts now. Pas les dons maintenant. Amen. Amen. The giver himself. Mais c'est le donateur lui-même. Made manifest amongst his people. Rendu manifeste parmi son peuple. Glory to God. Oh, gloire à Dieu. Mais vous le croyez? Hallelujah. C'est Dieu lui-même qui est présent en personne parmi nous. Oh, so many people. Ah, il y a tellement de gens. They want to see him in healing. Ils veulent voir Dieu uniquement dans la guérison. They want to see him in raising the dead. Ils veulent voir Dieu relevant les morts. They want to see him in many forms. Ils veulent voir Dieu sous plusieurs formes. The form in which his gifts are made manifest. Mais des choses dans lesquelles, des formes dans lesquelles il se rend manifeste. But the prophet of God is telling us here. Mais là, le prophète nous déclare ici dans le message. That it's himself, he in his own person. C'est Dieu, lui-même dans sa propre personne qui est présent parmi nous. Est-ce que vous le croyez? Dieu lui-même qui est présent. Pas des dons, mais lui-même il est présent. Alléluia. Amen. 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 There are many married couples here this morning. Il y a beaucoup de couples qui se sont mariés ce matin. Amen. Amen. My wife has told me many times. Ma femme m'a dit à plusieurs reprises. When I tease her, quand je la taquine un peu. I tell her when I'm no more there. Je lui dis quand je ne serai plus là. Don't worry, I've insured my life. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà assuré ma vie, hein. Tu auras de l'assurance quand je vais mourir. You will have a lot of money. Don't worry. Tu auras beaucoup d'argent après mon départ. Je suis assuré. She says no. Elle a dit non. I don't want your money. Je ne veux pas ton argent. Hein? Hein?
I don't want your gifts. Je ne veux pas tes dons. I want you. Je veux toi-même. Hein? Alléluia. C'est toi que je veux. Amen. Amen. And the world out there. Et le monde là à l'extérieur. The church world. Le monde des églises à l'extérieur. They want the gifts of God. Ils veulent seulement les dons de Dieu. And they rejoice with the gifts of God. Et ils se réjouissent uniquement avec les dons de Dieu. But they have never received this person. Mais ils n'ont jamais reçu la personne de Dieu lui-même. Amen. Amen. How do we know that they never received this person? Comment savons-nous qu'ils n'ont jamais reçu la personne? Because Jesus himself said. Parce que Jésus lui-même a déclaré. To those foolish virgins. À ces vierges folles. He says, "Go away." Il dit, allez vous en retirez-vous. I have never known you. Je ne vous ai jamais connu. He refused. Jésus les a refusés. Because they refused this person. Parce que ces vierges folles ont refusé la personne de Jésus-Christ. They refused the personal relationship with Almighty God. Ils ont refusé une relation personnelle avec le Dieu Tout-Puissant. In the very person of who he is. Dans la personne même que Dieu représentait. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. It's him that is important to c'est us. Lui qui est important pour nous. C'est sa présence, c'est lui qui est important pour nous. Yes. Oui. It's not church that's important to ce us. Ce n'est pas l'église qui est importante à nous. No. No. It's Christ himself. C'est Christ lui-même. Hallelujah. Hallelujah. When you go home today. Quand vous retournez à la maison aujourd'hui. You need to know. Vous devriez savoir. That Christ has been formed on the inside of you. Que Christ a été formé à l'intérieur de toi. You need to know. Vous devriez savoir. That you are married to him. Que vous êtes marié à Jésus-Christ. Glory be to the living God. Gloire au Dieu vivant. Amen. Amen. In the message, turn on the light. Dans le message, allumez la lumière. Paragraph 74. 25 janvier 64. Allumez la lumière. Paragraph 74. 25 janvier 74. The messenger says. Le messager déclare ceci. But did you realize we have moved on from that? Ah, mon content avant de prédication en fait. Avez-vous réalisé que nous sommes déplacés de là? We are in the bride time. Nous sommes dans le temps de l'épouse. The selecting time. Le temps de la sélection. The time that the bride they said would have. We said would have. Eh bien, le temps où là les où ils ont dit que l'épouse aura ce temps-là. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Then he quotes Joel 2:28. Et là il cite Joël 2:28. Amen. Amen. Each one of those organizations. Par exemple, 75, chacune de ces organisations. If you read the seven seals of the Bible. Si vous avez lu les sept sceaux de la Bible. Each one of those reformers went forth to preach the word. Chacun de ces réformateurs est allé de l'avant pour prêcher la parole de Dieu. But they left off something. Mais ils ont laissé en suspens quelque chose. Then what did they do after the reformers were over? Mais qu'est-ce qui s'est passé après les jours des réformateurs? And the light began to dim. La lumière a commencé à assombrir. Instead of walking on into Luther's light, instead of walking on into further light, au lieu de continuer dans une plus grande lumière, they organized. Ils l'ont organisé. And when they organized, et quand ils l'ont organisé, we believe this light. Nous ne croyons qu'à cette lumière. This is the light. C'est celle-ci, c'est la lumière. This is. C'est tout ce qu'il y a. Nous croyons que cette lumière, c'est tout, il s'organise. Glory to God. Gloire à Dieu. Recognizing your day and its message. Reconnaissant son jour, votre jour et son message, paragraphe 62, 26 juillet 64, paragraphe 52. See how perfectly the scripture is. Voyez combien l'écriture est parfaite. A day that won't be called day or night. Un jour qu'on n'appellera ni jour ni nuit. Fruit cannot ripen until the sun ripens. Un fruit ne peut mûrir si le soleil ne le mûrit pas. Amen. Amen.
It takes the sun. Il faut le soleil pour faire mûrir un fruit. To ripen the fruit. Pour mûrir le fruit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You and I as human beings. Vous et moi étant des êtres humains. We may be shouting. Nous pouvons même crier. And saying, oh, it's too hot. Mais vous dites, monsieur, c'est trop chaud. Can't we get our air cons and stuff? It's too hot. Pourquoi il y a plus, pas plus d'air conditionné là ici? Il fait chaud. The fruit is saying glory to God. Mais le fruit, il répond gloire à Dieu pour le soleil. Amen. Amen. The fruit is saying hallelujah. Le fruit dit alléluia au soleil. Why? Pourquoi? Because the fruit gets ripened by the sun. Parce que le fruit est mûri par le soleil. Hallelujah. Hallelujah. And let me tell you, Church of the Living God. Et je vais vous déclarer l'église du Dieu vivant ce matin. We will remain green. Nous allons demeurer toujours verts. We will remain unfruitful. Nous allons demeurer toujours infructueux. Until we lay in the presence of the sun. Jusqu'à ce que nous reposions dans la présence du soleil. Hallelujah. Hallelujah. That's why the message is to present to you. Voilà le message, c'est de vous présenter the sun himself. Le soleil lui-même. Hallelujah. Oui, c'est not le a soleil. Brother, not a brother from America. Non, on ne vous présente pas un frère des États-Unis. Not a brother from Europe. Un frère de l'Europe. Not a brother from Africa. Non, pas un frère de l'Afrique. The sun himself. On vous présente le soleil lui-même qui fait mûrir le fruit. That's what the message presents to you and I. C'est ce que le message vous présente à vous et à moi. Because in the sun, parce que dans le soleil, lies your glory. Il y a votre gloire dans le soleil. In the sun, dans le soleil, lies your authority. Il y a votre autorité dans le soleil. In the sun, dans le soleil, lies everything that you desire. Il y a tout ce que vous désirez dans le soleil. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. Amen. When he said in Genesis 1:26, quand il a dit dans Genèse 1, le verset 26, he said, "Let us make man into our own image." Il a dit, faisons l'homme à notre propre image, into our own likeness, selon notre propre ressemblance, and let that man have dominion and authority. Et que cet homme-là puisse avoir la domination et l'autorité. Adam could not reproduce that. Adam ne pouvait pas reproduire cela. Adam failed. Adam a failli. Glory to God. Gloire à Dieu. But God has promise. Mais Dieu a promis. There will come a time of restoration. Il y aura un temps de restauration. Vous le croyez? There will come a time. Il y aura un temps qui viendra. When the sons like Genesis 1:26. Que eh bien les fils comme la Genèse 1 verset 26. Will be manifested upon the face of the earth. Où les fils de Dieu seront manifestés. I'm telling you this morning. Et je vous dis ce matin. We have arrived. Nous sommes arrivés. Nous sommes là dans la manifestation. I am telling you this morning, Church of the Living God. Hallelujah. This is the hour. C'est l'heure, mes amis là. Hallelujah. Hallelujah. Lay in the presence of the sun. Oui, s'étendre dans la présence du soleil. Glory to God. Gloire à Dieu. God was good to us. Dieu est bon envers nous, n'est-ce pas? He was good to us. Dieu était bon pour nous. He didn't leave us the message. Dieu ne nous a pas laissé le message. So that we would get it from hearsay. Eh bien, et afin que nous l'obtenions par des oui dire. On a entendu dire du message par non, c'est pas comme ça. Non. He didn't give us like that. Dieu, le message n'est pas venu par des oui dire. He allowed men to invent the tape recorder. Dieu a permis que l'homme invente la radio cassette. Et Dieu a inventé la cassette. Today it's CDs. Hein? Aujourd'hui c'est CD. But it's the same thing. C'est la même chose, digital ou bien magnétique. Why? C'est la même chose. Pourquoi? Why? Pourquoi? To capture his voice. Dieu voulait qu'on capture sa voix. Amen. Amen. Not the voice of a preacher. Pas la voix d'un prédicateur. Not the voice of William Branham. Pas la voix de William Branham. The voice of God himself. Mais la voix de Dieu lui-même. Hallelujah. Hallelujah.
was captured on tape. Cette voix a été captée sur les bandes. So that you, afin que vous, and I, et moi, no matter where we are, peu importe où nous sommes, no matter where we find ourselves, peu importe où nous nous retrouvons, we can turn on the tape. On peut tourner le bouton, ouvrir la cassette. We can listen to the Son Himself. On peut écouter au soleil lui-même nous parler. Hallelujah! Hallelujah! Glory be to God! Gloire à Dieu! Did you hear what I said this morning? I didn't say we must listen to the voice of Brother Branham. Je n'ai pas dit que nous devrions écouter la voix de William Branham. I said we must hear the voice of the Son Himself. Mais il nous faut entendre la voix du Fils lui-même. The Son used William Branham. Ah, le soleil. Je sais pas où est le fils a utilisé William Branham. But the voice. Mais la voix. Wasn't the voice of William Branham. C'était pas la voix de William Branham. How do you know, Brother Joe? Comment tu le sais, frère Joseph? How do you know? Comment tu le sais, frère Joe? Amen. Amen. Because William Branham. Parce que William Branham. Had to go listen to his own messages. Il devrait aller réécouter ses propos lui-même. To hear what he said under the inspiration. Pour qu'il puisse entendre ce que lui il a dit après la réunion. Il sait pas ce qu'il a dit. C'est pas lui, c'est Dieu qui a dit ça. Hallelujah. Hallelujah. When Isaiah said. Quand Isaïe a déclaré, a virgin shall conceive. Une vierge serait enceinte. Was it Isaiah that was speaking? C'était pas Isaïe qui a parlé. It wasn't Isaiah. Ce n'est pas Isaïe qui a dit une vierge serait enceinte. If Isaiah had to speak, si Isaïe devrait parler, he would say, il va dire, a virgin, une vierge, will marry a man. Une vierge épousera un homme. They will live together. Et les deux vivront ensemble. And they will produce a son. Et ils auront un fils. That's what Isaiah will say. C'est ce que Isaïe aurait dit lui. But the man said a virgin shall conceive. Mais lui il a dit un vierge concevra, une vierge and bear a son. Et aura un fils. It wasn't the man Isaiah. C'était pas l'homme Isaïe qui a parlé. It was God himself. C'était Dieu lui-même qui a parlé. That spoke through the man's lips. Qui a parlé au travers les lèvres d'un homme. And today. Et aujourd'hui. We had a greater than Isaiah. Nous avons un plus grand qu'Isaïe. Today. Aujourd'hui. We had a greater than David. Nous avons un plus grand que David. We had a greater than Solomon. Un plus grand que Salomon. It was the Lord himself. C'est le Seigneur lui-même. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. What a time. Oh, quel temps nous vivons. What a time. Quel temps nous vivons, l'Église. Amen. Amen. We have to bathe in the presence of the sun. Nous devrions rester là, reposant, s'étendre dans la présence du soleil. No matter how much you preach, paragraphe, it's still the same paragraph. Paragraphe 52, toujours reconnaissant. Peu importe combien vous prêchez, whatever you do, ce que vous faites, it cannot be ripened. La semence ne pourrait pas mûrir. It cannot be manifested. Cette semence ne pourrait être manifestée. It cannot be vindicated. Cette semence ne pourrait être confirmée. Only by him who says, seulement par lui qui a déclaré, I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. The word. La parole. So there has got to come forth a power. Ainsi, il devrait venir une puissance. The Holy Spirit himself. Le Saint-Esprit lui-même. To ripen or to vindicate or to prove. Eh bien, pour mûrir, pour confirmer ou pour prouver. Or to make manifested that he's predicted would happen in the last day. Et pour rendre manifeste ce qu'il a prédit arriverait en ce jour. Amen. Amen. Do you believe that? Est-ce que vous le croyez, l'Église? Amen. Amen. He had to come himself. Il devrait venir lui-même. Glory to God. Hein? Glory to God. Gloire à Dieu. But before he came, mais avant qu'il ne vienne, there had to be a messenger here. Il devait y avoir un messager sur les lieux. That would restore all things. Qui allait restituer toutes choses, rétablir, restaurer toutes choses. What is wrong with the people today? Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens aujourd'hui?
They want to remove William Branham out of the message. J'aime ça. Les gens veulent ôter William Branham du message. What is wrong with them? Qu'est-ce qui va pas avec ces gens-là? Don't they realize? Est-ce qu'ils ne réalisent pas that God needed a forerunner? Que Dieu avait besoin d'un précurseur. Don't they realize? Est-ce qu'ils ne réalisent pas that the altar had to be restored? Que l'autel devrait être rétabli. Hey? Don't they realize? Est-ce que les gens ne réalisent pas that Christ could not come? Que Christ ne pouvait pas venir until there was a ministry on the earth? À moins qu'il y ait un ministère sur la terre. That would be exactly the same as his ministry. Qui serait exactement comme son ministère sur la terre. Alléluia. You see, the problem is. Vous savez, le problème, c'est ceci. With these people, avec ces gens-là qui n'acceptent pas William Branham. They don't come from where we coming from. Ils ne viennent pas là d'où nous sommes venus. Alléluia! Ils ne sont pas là d'où nous sommes. They come from a different place. Ils viennent d'un différent endroit. Alléluia! 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 C'est vrai, that's right, brother. Glory to God! If they came from the same source, s'ils venaient de la même source que nous, they would honor the prophet. Ils auraient honoré le prophète. Ils auraient honoré le prophète. Alléluia. 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 Abraham one day. Abraham un jour. He saw a man coming to him. Il a vu un homme qui s'approchait vers lui. Like my brother Nandi here this morning. Comme le frère Nandi, il était là. A man like this. Il voit un homme comme moi. Abraham vit un homme comme moi. Dressed like he was dressed. Qui était habillé, vêtu comme il était vêtu. Abraham l'a vu. A man. Un homme. Not an angel. Il n'a pas vu un ange. Il a vu un homme qui venait vers lui là-bas. Amen. Alors qu'il était sous les plaines, les chaînes de Mamré. Amen. Amen. But when Abraham saw him, Abraham l'a vu, because Abraham was his son. Parce que Abraham était le fils de cet homme-là. Abraham l'a vu. Abraham had something on the inside. Abraham avait quelque chose à l'intérieur. Hallelujah. Hallelujah. Something that recognized. Quelque chose qui a reconnu cette personne-là. That this is not just a man. Yes, ça ce n'est pas un homme simplement. This is Elohim. C'est Elohim qui est venu vers moi. This is Elohim. C'est Elohim. And the Bible says Abraham bent down and he worshipped him. Et la Bible déclare que Abraham s'est prosterné et il a adoré Elohim. Glory to God. Gloire à Dieu. If these people, si ces gens-là, that have a problem with William Branham today, qui ont un problème avec Branham aujourd'hui, ces gens-là, if they were there in Abraham's time, s'ils étaient là à l'époque d'Abraham, they would have said Abraham is worshiping a man. Ils auraient dit que Abraham adore un homme. Alléluia. Abraham s'agenouillant devant un homme, il adore un homme. Hallelujah. Hallelujah. Because they have no revelation. Parce qu'ils n'ont pas de révélation. They have no understanding. Ils n'ont pas de compréhension. They have not received their identity. Ils n'ont pas reçu. Amen. They have not received their identity. Ah, ils n'ont pas reçu leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Amen. Amen. If you don't have your identity, si vous ne connaissez pas votre identité, you don't know who you are. Tu ne sais pas qui tu es. And if you, sorry, bro. That's all right. That's okay. And if you don't know who you are, et si tu ne sais pas qui tu es, how are you going to know who God is? Comment tu saurais qui est Dieu? Hein? Because God is the one that shows you who you are. C'est Dieu qui vous montre qui vous êtes. He shows you the message. Il vous montre le message. Not the Bible. Pas la Bible, le message. Not the Bible. Pas la Bible. We had the Bible for 2,000 years. Nous avions la Bible pendant 2000 ans.
And all we could produce with the Bible. Et tout ce que les gens ont pu produire avec cette Bible-là. Was Roman Catholics. C'est catholique romain. And Methodists. Méthodistes. And Lutherans. Et bien les luthériens. And Pentecostals. Et les pentecôtistes. That's all we could produce with c'est the Bible. Tout ce que les gens pouvaient produire avec cette Bible-là. We have to get the revelation of the Bible. Mais il nous faut la révélation de la Bible. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The message does not contradict the Bible. Le message ne contredit pas la Bible. The message is the Bible revealed. Le message c'est la Bible révélée. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the Lord. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. So when we look into the message, c'est quand nous regardons le message, we see our identity. Nous voyons notre identité. We see our identity. Nous voyons notre identité. Hallelujah. Hallelujah. When you look into a mirror, quand vous regardez dans le miroir, you see yourself. Vous voyez vous-même dans le miroir. Amen. Amen. And the mirror is God's word. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. This message of the hour this morning. Le message de l'heure ce matin. Look into it. Regardez dans ce miroir là. Don't let anybody tell you it's coming from America. Ne laissez personne vous dire qu'il vient de l'Amérique. No. No. It's the mirror. C'est le miroir of God's word. Le miroir de la parole de Dieu. It's your identity. C'est votre identité. Le message, c'est votre identité. Hallelujah. Hallelujah. We would have never known that we are sons of God. Jamais on aurait su que nous sommes des fils de Dieu. Daughters of God. Des filles de Dieu. We would have never known that. Jamais on aurait su cela. Because all we knew was we were human beings. Tout ce que nous savions à l'époque, nous sommes des êtres humains, c'est tout. From different cultures. Des êtres humains de différentes cultures. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To live for a short while. Et nous sommes des êtres humains d'une différente culture qui vivraient pendant un court moment de temps. And to die. Et de mourir après. That's all we knew c'est who tout we ce were. Que nous savions qui nous sommes, c'est tout ce que nous savions. Until one day. Jusqu'au jour. A great light came. Une grande lumière. In the form of the message of the hour. Le message. When that light dawned upon us, et la lumière est tombée sur nous. It showed us. La lumière nous a montré. That we are not Nanda Chetty. Nous ne sommes pas Nanda. We are not Latola. Eh? Hein? We're not Joe Latola. No. Il n'est pas Joe Latola. We are sons and daughters of God. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. We come from God. Nous venons de Dieu. We are on our way back to et God. Nous retournons à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. The altar has been restored. L'autel a été réparé. Amen, amen and amen. Amen. Glory be to the Lord. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. I don't know if I can get through this message here this morning. Je ne sais pas si je pourrais terminer mon message ce matin. I am getting so excited here this morning. Je suis tellement excité ce matin. Pourquoi vous avez dit oui moi? Hey. Je suis tellement excité ce matin. Hey. I'm preaching to a church that's on the same level where I am. Et je prêche à une église qui est au même niveau que moi. Qui croit comme je crois. Amen. Amen. You know you cannot fellowship with somebody. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir de communion avec quelqu'un. If they are down there. S'ils sont là comme ça là-bas. And you are up here. Et vous êtes là-bas. Hein? You can't fellowship alors, with them. On peut pas avoir de communion. No, you can't. Vous pouvez pas avoir de communion. Because they don't see what you parce see. Parce qu'ils ne voient pas ce que nous voyons. Amen. Amen. But this morning. Mais ce matin. My. Hallelujah. It's easy to preach. C'est facile de prêcher. It's easy to preach. C'est facile de prêcher. We see the same thing. Nous voyons les mêmes choses. We are on the same level. Nous voyons les mêmes choses. Glory be to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Because God has promised. Parce que Dieu a promis. He has promised. Il a promis. That the harvest. Que la moisson. Will ripen at about the same time. La moisson va mûrir en même temps. Hallelujah. Hallelujah. We don't need a special evangelist to come from somewhere. Nous n'avons pas besoin d'un évangéliste spécial qui vient de quelque part. God himself. Dieu lui-même. God himself. Dieu lui-même. He ripens the seed. Dieu lui-même fait mûrir les semences.
Amen. Amen. Whether they're in Mauritius, même si c'est à l'île Maurice, or whether they're in South Africa, ou bien en Afrique du Sud, or whether they're in India, s'ils sont en Inde, it doesn't matter where they are, peu importe où ils sont, the sun, le soleil, ripens the seed, le soleil fait mûrir la semence. Amen. Amen. Some people say, il y a des gens qui disent, they wait for Brother Branham to rise from the dead. Ils vont attendre que Frère Branham ressuscite des morts. They have an aeroplane ready. Ils ont même un avion déjà prêt quand il va se réveiller des morts. To take Brother Branham around the world. Et cet avion prendra, soi-disant, le frère Branham autour du monde pour ses campagnes. Because Brother Branham must ride this trail once again. Parce qu'ils ont vu dans le message, il dit que je chevaucherai ce chemin une nouvelle fois. They've missed the revelation. Ils ont manqué la révélation. Alléluia. Alléluia. They've missed the revelation. Ah, ils ont raté. Ils n'ont pas su. Because Paul says in the book of Ephesians, parce que Paul a déclaré dans le livre des Éphésiens, he says God will put in the church, que Dieu eh bien mettra dans l'église. God himself, c'est Dieu lui-même. We won't elect them by vote. Non, ces gens dans l'église là, ce ne seront pas élus par des votes. God himself, mais il parle du ministère, hein? Dieu lui-même will place in the body, placera dans le corps. Amen. Amen. So William Branham knew when his time was up. Et si William Branham savait que son temps est arrivé à la fin. Amen. Amen. He knew his time was up. Il savait que son temps s'est arrivé à la fin. But he says God will raise a ministry. Il dit que Dieu suscitera un ministère. That'll take the bride to the rapture. Et bien qui entraînera l'épouse jusqu'à l'enlèvement. I'm telling you this morning, Church of the Living God. Je suis en train de vous dire ce matin, l'Église du Dieu vivant. The true ministry in the body of Jesus Christ. Le vrai ministère dans le corps de Jésus-Christ. Is that very ministry this morning? C'est ça le ministère ce matin. Hallelujah. Amen. It is that ministry. C'est ce ministère là même. Amen. Amen. Praise His wonderful name. Gloire au nom merveilleux de Jésus. So when Christ came to the earth, c'est quand Christ est venu sur la terre. When he came to the earth, he found, amen, it was time for restoration again. Quand il est venu sur la terre, il a vu que le temps de la restauration est venu une nouvelle fois. Israel was stuck in the law. Eh bien, Israël était là, eh bien, accroché à la loi. The law of Moses. La loi de Moïse. Amen. Amen. They had the message of Moses. Ils avaient le message de Moïse. But when the one who gave Moses the message, mais quand celui-là même qui a donné à Moïse le message, stood among them, il était là parmi eux, devant ces Juifs, they said, "You are the devil." Il lui a dit, tu es un démon. Amen. Amen. Can you think of it this morning? Est-ce que vous pouvez penser, ils pensaient they ce matin. Had the message of the hour. Ils avaient les Juifs là-bas, les Pharisiens, ils avaient le message de le message de Moïse. In print form. Le message sous forme imprimée dans l'Église. They said unto him, Moses said. Il disait à Jésus, Moïse a dit. But they could not see who he was. Mais ils ne pouvaient pas voir ce que lui il était. The one who gave Moses the message. Celui-là même qui a donné à Moïse le message. Amen. Ils ne pouvaient pas le voir. They were trapped in their beliefs. Ils étaient piégés dans leurs propres croyances religieuses. They were in a prison of their tradition. Ils étaient emprisonnés dans leur tradition. So it was time for a restoration. C'était le temps d'une restauration. Amen. 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 Glory to God. Gloire à Dieu. And that's why Christ. Voilà pourquoi Christ became the temple. Il est devenu le temple lui-même. That temple that Solomon built. Ce temple que Salomon avait construit. Christ became the temple. Jésus-Christ est devenu le temple lui-même. He became the sacrifice. Il est devenu le sacrifice lui-même. Hallelujah. Hallelujah. What for? Pourquoi? To restore. Pour restaurer. To restore the house of God. Pour rétablir la maison de Dieu. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. When the woman at the well, quand la femme au puits, she said unto him, elle a dit à Jésus,
We worship on the mountain. Nous nous adorons sur la montagne. You worship in Jerusalem. Vous adorez à Jérusalem. He says, no woman. C'est non femme. The time will come. L'heure est arrivée. When you will not worship in Jerusalem. Où ce ne sera plus à Jérusalem. You will not worship on the mountain. Ce ne sera plus sur la montagne. But a body hast thou prepared me. Mais tu m'as préparé un corps. Hallelujah. Hallelujah. A temple. Un temple. A house. Une maison. That God can live in. Dans laquelle Dieu peut habiter. Amen. Vous le croyez? Une maison, tu m'as créé encore. Alléluia. Tu m'as formé encore. Le vrai temple. Glory to God. Gloire à Dieu. It was time for a restoration. C'était le temps d'une restauration là, à l'époque de Jésus. So that's why he went to Calvary. Voilà pourquoi Jésus est allé au calvaire. Hallelujah. Hallelujah. It was the sacrifice on the altar. C'était le sacrifice lui-même, Jésus, sur l'autel. God struck the sacrifice. Dieu a frappé le sacrifice, Jésus. Glory be to God. Gloire soit rendue à Dieu. Hallelujah. But Christ didn't die in vain. Mais Jésus-Christ n'est pas mort en vain. He died with a purpose. Il est mort avec un dessein, avec un but. A purpose this morning. Et ce matin, le but ce matin. Amen. Amen. To rid you and I from sin. Pour nous débarrasser, vous et moi, du péché. Voilà pourquoi il est mort. To wash you and I clean. Pour vous laver, vous et moi, pur. That although vous le croyez? That although we were born in sin, même si nous étions nés conçus dans le péché, although we were shaped in iniquity, même formés dans l'iniquité, the blood of Jesus Christ, le sang de Jésus-Christ, glory to God, gloire à Dieu, washed us, nous a lavé, so that this morning, afin que ce matin, we can stand before God, nous on peut vraiment servir Dieu, chanter, as though we have never ever sinned in the first place, on peut se mettre de debout devant Dieu comme si on n'a jamais péché. Il faut le croire. Il faut le croire. On peut se mettre debout comme si on n'a jamais péché. Alléluia. Alléluia. What for? Pourquoi? Because Christ, Christ want to step into your flesh. Parce que Christ maintenant veut demeurer dans ta chair. Oh, alléluia. Vous le croyez? Oh, hallelujah. Dans ta chair. Listen to me this morning. Écoutez ce matin. God, Dieu, can do nothing for Mauritius. Dieu ne peut rien faire pour l'île Maurice. Amen. Amen. Because God is a spirit. Parce que Dieu est un esprit. They don't understand the spirit. Et les gens ne comprennent pas un esprit. But that great spirit. Mais ce grand esprit. Want to step in your flesh. Veut entrer dans votre chair. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. So when you walk the streets of Mauritius. Quand tu marches les rues de l'île Maurice. The streets of Madagascar. Les rues de Madagascar. It's God. C'est Dieu. It's God. C'est Dieu qui est là. Walking there. C'est Dieu qui est là. It's God using you. C'est Dieu qui vous utilise. To give life to the people. Pour donner la vie aux gens. Vous le croyez à l'église? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Satan wants to tell you you are unworthy. Satan veut vous dire vous êtes des indignes. Who is Satan to tell you that you are unworthy? Qui est Satan pour vous déclarer vous êtes indigne? Number one. Premièrement, Satan is a liar. Satan est un menteur. C'est un menteur. Comment oserait-il dire tu es indigne? Who wants to listen to a liar? Qui veut écouter un mensonge? He cannot speak the truth. Parce que le diable ne peut jamais dire la vérité. When he opens his mouth, he lies. Quand il ouvre sa bouche, il ne fait que mentir. Don't listen to him. Et si n'écoutez pas au diable. Who is he to tell you you are not worthy? Qui est-il pour vous déclarer que vous n'êtes pas digne? When God himself. Quand Dieu lui-même became you and I. Quand Dieu lui-même est devenu vous et moi. So that he could make us worthy. Afin que lui, il peut nous rendre dignes. Hey, Brother Nanda. Frère Joseph. If we are not worthy this morning. Si nous ne sommes pas dignes ce matin. There has to come another Jesus. Alors il faudra qu'il y ait un autre Jésus qui vienne.
There has to come another lamb. Si nous ne sommes pas dits ce matin, il faut que notre agneau vienne. If Christ didn't make us worthy, si Christ ne nous a pas rendu dignes, then we need another lamb. Il nous faut un autre agneau. But that is against the word of Mais God. Ça c'est contre la parole de Dieu. Contrary to the word of God. C'est contraire à la parole de the Dieu. The lamb has come. L'agneau est venu. The lamb has shed his blood. L'agneau a versé son sang. The lamb has made us worthy. L'agneau nous a rendu dignes. Hallelujah! 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 So that we, afin que nous, can become, nous puissions devenir, the temple of the living God, le temple du Dieu vivant. Glory to God. Gloire à Dieu. For 2,000 years, pendant 2000 ans, Satan has infiltrated the church of the living God. Satan a insulté, s'est infiltré dans l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. He's caused denominations. Satan a causé des dénominations. Movements. Des mouvements. That were so called Christianity. Des mouvements qui s'appelaient pour ainsi dire la chrétienté. So called the body of the Lord. Des mouvements qui s'appelaient comme le corps du Seigneur. But God had promised. Mais Dieu a promis. He said, I will restore. Je vais rétablir. Vous croyez? Je vais rétablir. I will restore, say Je vais rétablir. Amen. Amen. That church at the beginning. Cette église qui était là au début. Amen. Inaugurated by God Himself. Cette église qui était là-bas inaugurée par Dieu lui-même. When the Holy Spirit came in the upper room. Quand l'Esprit Saint est venu de la chambre haute. That church there. Cette église là-bas. Seemed like it was completely dead for the ages. Il paraissait que cette église était morte pendant tous les âges. But God said, I will restore. Mais Dieu dit non, je vais restituer, je vais rétablir. Hallelujah. Hallelujah. So through Luther, à travers Luther, through Wesley, à travers Wesley, through Pentecost, à travers la Pentecôte, it was a reformation ministry. C'était des ministères de réformation. But the end time, mais à la fin, reproduce. Dieu a reproduit a ministry like the ministry of Jesus Christ. Il a reproduit un ministère comme le ministère de Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. A ministry like his own ministry. Un ministère comme son propre ministère. Why? Pourquoi? Because he said, I will restore. Parce que Dieu a déclaré, je vais rétablir. Hallelujah. 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 Alléluia. As we read the scripture this morning, comme nous avons lu les Écritures ce matin, that only once restoration has taken place, une fois que la restauration aurait eu lieu, amen, will Christ return again? Que Christ retournera à nouveau. So that's why we needed a message like the one we have received. Voilà pourquoi nous avions besoin d'un message comme celui qu'on a reçu. Amen. Amen. It was important. C'était important. It was essential. C'était essentiel. Amen. Amen. This ministry had to come. Ce ministère devrait venir. Yes. Oui. Otherwise, sinon, if this ministry never came, si ce ministère n'était jamais venu, the headship could never come down. La tête, l'autorité ne serait jamais descendue. Yeah. Amen. Because the headship doesn't rest upon confusion. Parce que la tête ne se repose pas sur la confusion. D'accord, l'Église? No. 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 Amen. He unites with himself. Jésus, la tête, s'unit avec lui-même. Amen. Amen. The wife of Christ. L'épouse de Christ. Must be like Christ. Devrait être comme Christ. Hein? It's easy, believers. C'est simple, croyants. It's easy. L'épouse de Jésus-Christ devait être comme son époux. Hein? It's easy. C'est simple. Brother. Frère. You cannot marry a lioness. Toi, frère, tu ne peux pas épouser une lionne. The two of you are not compatible. Parce qu'un homme et une lionne n'est pas compatible.
You can't. Tu ne peux pas épouser une lionne. You can only marry someone that's compatible with you. Tu peux seulement épouser quelqu'une qui est compatible à toi. Yes. Oui. She's like you. Elle est comme toi. You look at her. Et quand tu la regardes, you say, hey, this woman, hey, cette femme, why is she like this? Pourquoi elle est comme ça? Ah, she's so impatient. Elle est tellement impatiente. She's like you. Elle est comme toi. Vous n'avez pas compris? Vous accusez la femme, tu es tellement impatiente. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est comme toi. C'est toi l'impatient. Yes. Oui. Yes. Your wife. Votre femme. If she's your true partner. C'est elle qui est votre vrai partenaire. She was with you in heaven. Ta femme avec toi déjà dans le ciel. Amen. Elle était là. She's not separate from you. Ta femme n'est pas séparée de toi. She's one with you. Elle est une avec toi. Yeah. C'est vrai. That's why you can't speak bad about her. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler du mal de ta femme. You cannot ill-treat her. Tu ne peux pas même maltraiter ta femme. Because that's you. Parce que ta femme, c'est toi-même. Amen. Amen. You can't ill-treat yourself. Tu ne peux pas toi-même te traiter en mal. It's toi. It's you. C'est toi. Amen. Amen. So she's a reflection of you. Et si la femme est un reflet de toi. And so it is. Et si en est-il. As you can't marry somebody that's not a part of you. Comme tu ne peux épouser quelqu'une qui n'est pas une partie de toi. So Christ could not marry anybody that's not a part of him. Et si Jésus-Christ ne pouvait pas épouser personne qui n'est pas une partie de lui. Amen. Amen. You are him this morning. Vous êtes lui ce matin. Dire amen. Vous l'épouse, vous êtes lui ce matin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The messenger said. Le messager déclare. He said, one day. Il y a un jour. The bride will realize who she is. L'épouse réalisera qui elle est. And he says, thank God she will. Yeah, mais merci à Dieu, elle le saura. 2014. There is a bride upon the face of the earth. Il y a une épouse sur la face de la the terre. The scales are being taken off her eyes. Les écailles tombent des yeux de l'épouse. She's realizing who she is. L'épouse réalise qui elle est. Amen. Amen. And when you come to that realization, et quand vous arrivez à cette réalisation, let me tell you this morning, mais vous dire ce matin, you become omnipotent. Vous devenez omnipotent. Nothing can stand before you. Rien ne peut vous opposer. No disease can aucune stand maladie before you. Ne peut vous opposer. No sin can stand before you. Aucun péché ne peut vous barrer la route. When you recognize who you are. Quand vous reconnaissez qui vous êtes. Hallelujah. Hallelujah. That's the hour we are living in. Ça c'est l'heure dans laquelle nous vivons. That's the time we are living in now. C'est le temps où nous vivons maintenant. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. In this message, His unfailing words of promise. Dans le message, ces paroles infaillibles de la promesse, 20 janvier 64, paragraphe 34. 20 janvier 64, paragraphe 34. Brother Branham says. Déclare ceci, hein, ces unfailing words of promise, les paroles infaillibles de sa promesse. Israel is in a homeland. Israël est dans sa patrie. She is her own nation. Israël est sa propre nation. She's got her own money. Elle a sa propre monnaie. Her own flag. Son propre drapeau. A member of the United Nations. Un membre des Nations Unies. She is just a nation. Elle n'est qu'une nation. The first time for about 2500 years. La première fois après 2500 ans. Since she has been a nation. Depuis le temps où elle a été une nation. And Jesus promised. Et Jésus a promis. The generation. La génération. And in the Bible, a generation is allotted 40 years. Et dans la Bible, une génération. Écoutez maintenant. Dans la Bible, une génération est allouée 40 ans. From the time that Israel became a nation. Du temps où Israël est devenu une nation. Until 40 years. Vous comptez jusqu'à 40 ans.
Somewhere within that time, quelque part durant ce temps-là, He will come. Il viendra. Depuis le temps où Israël vient une nation, Hallelujah. 40 ans, il viendra. Yes. Oui. Somewhere. Quelque part. Between 48. Depuis 48. Amen. Hein? To where we are now. 48, là où nous sommes. Amen. Amen. Somewhere in that 40 years. Quelque part dans 40, dans ces 40 ans. Hallelujah. Hein? Christ had to return. Jésus devrait retourner. Because the altar has been restored. Parce que l'autel a été restauré. Amen. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. And that's what we find. Voilà pourquoi nous découvrons. 1963. Upon the Mount Sunset. Sur la montagne Sunset. Hallelujah. Le soleil couchant. Science couldn't explain it. La science ne peut l'expliquer. They didn't know what it was. La science ne savait ce que c'était. But the angel of the Lord told Brother Branham. Mais l'ange de Dieu a dit au frère Branham. Just turn the picture to the right. Tournez la photo à droite. Turn the picture to the right. Tournez la photo à droite. Who is it? Qui est celui-là? William Branham says it's our Lord up there. C'est notre Seigneur là-bas. It's our Lord up there. C'est notre Seigneur là-bas. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. He had to return. Il devait retourner. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. William Branham. Frère Branham. William Branham. The angel that had to introduce him. C'est l'ange qui devait l'introduire. He's off the scene already. Et maintenant il est plus sur la scène, il est parti. How can he be off the scene and he didn't introduce Christ? Hallelujah. Comment il est parti et il n'a pas introduit Jésus? Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. That's why the bride today. Voilà pourquoi l'épouse aujourd'hui cannot be deceived. Ne peut pas être séduite. Because Christ himself, c'est Christ lui-même. He's here now. Il est ici maintenant. Hallelujah. 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 Lord, open the eyes of your children. Que Dieu ouvre les yeux de tes enfants. He's here now. Il est ici maintenant. In Mauritius. Dans l'île Maurice. In the church. Dans cette église. Christ. Christ is here now. Wow. Hallelujah. Christ est ici. Hallelujah. Maintenant. Glory to God. Gloire à Dieu. He's not coming. Il ne vient pas. He is here now. Il est ici maintenant. Whatever you desire. Tout ce que vous désirez. Whatever you need. Tout ce que vous avez besoin. He is here now. Il est ici, vous le croyez. To give it to you. Il va vous le donner. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Praise his wonderful name. Gloire à son nom merveilleux. Amen. 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 This is not for chickens. Ça c'est pas pour les poulets ça. C'est pas un message pour une poule ça. Pour une aigle. No, this is not for chickens. Ce n'est pas pour les poulets. This is for eagles. Ce sont pour les aigles. Hallelujah. 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 Amen. Amen. The shark. Vous savez que la balle. The shark. La balle qui tient le blé. It stays like that with the seed. C'est que la balle, elle s'accroche avec le grain, la semence. Vous voyez la balle, hein? La balle qui retient le blé. Elle s'accroche à la semence. Amen. Amen. It's got the form of the seed. Et la balle a la forme de la semence. It looks like the seed. La balle ressemble à la semence. It impersonates the seed. La balle fait une imitation charnelle. But let me tell you this morning. Mais je vais vous dire ce matin. Let me tell you this morning. Je voudrais vous dire ce matin. The seed shall not be air with the shark. La semence
n'hérite pas avec la balle. Amen. Amen. That's why the sun is shining this morning. Voilà que le soleil est en de luire ce matin. It's a strong sun. C'est un soleil fort. It's a summer sun. C'est un soleil de l'été. What is it doing? Qu'est-ce que le soleil fait? It dries up the shark. Eh bien, le soleil fait sécher la balle. It dries up the shark. Fait sécher la balle. So that the shark exposes the seed. Et la balle, n'est-ce pas, fait sortir la semence. Hallelujah. Hallelujah. We don't chase anybody out of the message. Nous n'envoyons personne hors du message. C'est pas nous. Nous n'envoyons personne hors du message. No. Non. It's the sun. C'est le soleil. It's the sun. C'est le soleil. Amen. Amen. Some of them come 40 years in the message. Il y a des gens qui sont 40 ans dans le message. They come 50 years with the message. Qu'est-ce que 50 ans dans le message? Now they turn their backs on the message. Maintenant ils ont tourné le dos au message. Why? Pourquoi? The seed. La semence. Cannot be heir with a shark. Ne peut pas hériter avec la balle. Cannot be heir with a shark. La semence ne peut hériter. The sun must be strong. Eh bien, le soleil est très fort. So that only the seed. Et c'est seulement la semence. Only the seed can be harvested. C'est seulement la semence qui sera moissonnée. Amen. Dans le grenier, c'est la semence qui sera placée dans le grenier. Vous le croyez? Amen. Alléluia. Alléluia. Don't be disturbed. Ne soyez pas dérangé. By what you see happening in the world today. Ne soyez pas dérangé par ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui. Don't be disturbed. Ne soyez pas dérangé. If you hear about people who are leaving the message. Si vous entendez dire que des gens quittent le message, ne vous laissez pas déranger par ça. If they leave. Si ces gens-là abandonnent le message. They were never one with us. Ils n'étaient pas un avec nous. Voilà pourquoi ils abandonnent. They were never seed. Ils n'étaient jamais la semence pour commencer. Because the seed will say. Parce que la semence dira. Where shall we go to? Où irions-nous qu'à toi? Où irions-nous qu'à toi? Yeah. Hein? Yeah. C'est vrai. If you're a fisherman. Tu es un pêcheur. Hein? And there's a lot of fishermen here in Mauritius. J'entends dire qu'il y a beaucoup de pêcheurs ici à l'île Maurice. Hein? Ceux qui pêchent, hein? Qui vont à la pêche. And you catching fish. Et là, quand vous attrapez les poissons. With a net. Avec un filet. When the fish is out. Quand le poisson, on l'a mis dehors. The fish dies. Le poisson meurt. But the spiders can go back to the water. Mais les araignées peuvent retourner dans l'eau. Hein, les poissons meurent, mais les araignées retournent à l'eau. The crabs, les crabes, they can go back to the water. Elles retournent à l'eau. But the fish, mais les poissons, it's saved. Ils sont sauvés. The fish cannot go back. Ah, le poisson ne peut pas retourner. Le poisson n'abandonnerait pas pour retourner. And I believe that you and I are seed this morning. Et je crois que vous et moi, nous sommes des semences ce matin. We are the genuine rainbow trout this morning. Nous sommes la truite arc-en-ciel authentique. We can go nowhere else. Nous ne pouvons aller nulle part ailleurs. We have come into Christ. Nous sommes venus en Christ. We are united with him. Nous sommes unis avec lui. We are one with him. Nous sommes un avec lui. Amen. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Glory to God. Quel message! Quel message! Alléluia! Ah, Dieu confirme, hein? Dieu confirme! Quel message! Mettez-vous debout. Aïe, aïe, aïe. Bon, il n'a rien pour ajouter. I've got nothing to add more, brother. And you know one thing, I never talk to any minister. I told you that. Je ne parle jamais des ministres qui viennent. D'ailleurs, il n'est pas chez moi, il est chez le frère Toto. Merci beaucoup, frère Toto, la sœur Priti, qui l'ont pris depuis jeudi. They are not with me. We don't talk about what he's going to preach. On ne se parle pas qu'est-ce qu'il va prêcher. But look how God uses a man of God. Comment Dieu utilise les choses. Il parle, il confirme la parole. Nous aimons le prophète.
semaine dernière, on a parlé sur un prophète. C'est quoi? Inspiré par Dieu. I believe God is wonderful. I like that kind of when God sends people to come and confirm what we are preaching. And that gives you assurance. Ça vous donne de l'assurance que le message est vrai. Je ne le connais pas, il habite là-bas. 6 heures de voyage de l'île Maurice dans un coin à Cape Town, il vient ici, il prêche ce que nous prêchons. C'est quoi ça? C'est Dieu ça. Et il mérite toute la gloire. To whom shall we go? À qui irions-nous? Pour ce petit cantique là, tout le cœur. To whom shall we go? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà pourquoi les gens qui quittent l'église, les gens qui tournent le dos à Dieu, ce sont des imbéciles. C'est ce que Paul dit. Lisez Paul, Hébreux 10, verset 32 au verset, je crois, 39. Et il entre dans le verset, chapitre 11. Il dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui demeurent, qui ont la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On s'attache à Dieu. On croit. Est-ce que vous le croyez? Seigneur, à quel autre? Seigneur. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle. Et nous, nous avons cru, Seigneur, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu. Une fois pour sa gloire, Seigneur. Tout le monde chantait comme une confession. Où irait le Seigneur? Irions-nous qu'à toi? You have the words of eternal life. Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle. Et nous, Seigneur, nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu. C'est vrai l'église? Acclame-le. Acclame-le. Un Dieu merveilleux. Frère, écoutez-moi. Cette année-ci qui vient, ce serait maintenant 40 ans que je me convertis. 75, 2015, 40 ans. Je ne regrette pas ma conversion. J'avais 16 ans. Je ne regrette pas. Ce monde, je ne l'aime pas. Je n'ai pas le temps. Je le prends. Vous avez un frère avec ce tricot jaune là. Nike. Dieu vous bénisse, frère, ça va? C'est bon. Je crois que c'est un Dieu merveilleux. Suis précieux à tes yeux. Nous ne sommes pas des rien du tout. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Je vais vous lire, dimanche, quand je prêchais, je vais vous montrer que Dieu déclare par le message. Si Dieu sans nous, il n'est pas complet. Nous sommes devenus lui. Précieux à tes yeux, rien ne peut me manquer, ne peut me manquer, ma raison de vie, c'est de t'adorer, car tu m'as racheté, suis précieux à tes yeux, suis précieux à tes yeux.
t'adorer, car tu m'as racheté. Je vis, je dans le plan parfait de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, et je sais qui me conduit. Il a dit, il est écrit, il est le chemin, la vérité, la vie. On va qu'on dit, mais on vient d'Oli. On vient d'Oli, frère. C'est les gens qui restent comme ça la foi. Vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait pour vous. Frère, les gens qui vont en enfer, ils vont crier. En enfer, il n'y a ni maman, ni papa, ni frère, ni soeur, ni fleur, ni jardin. Et Dieu nous a sauvés de l'enfer, frère. Dieu nous a ramenés à lui. On n'appartient pas à ce monde. Nous appartenons à Dieu. Dieu est sauvé au foyer. Dieu m'a guéri. Frère, Dieu exauce mes prières. Il me promet, je serai avec toi tous les jours, je serai en toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te dé... Est-ce que vous le croyez? Ce sont des choses extraordinaires, ouais. Les mêmes nous les rois. Ah, et vous avez bâti avec ces choses. Moi je vais l'adorer. Quelqu'un est-il de la joie? Qu'il plaît. Qu'il plaît. Qu'il chante. Qu'il chante. Les mêmes nous les rois. Il est bien content pour en dans tous les cœurs, parce qu'il est vivant et toi même sur la carte de pape pour qu'a pas fait non pour toi fasse ton péché. L'infini fait tout donner qu'elle n'a pas accepté. De pas pour qu'à pas fait non, pour tu effaces ton péché. L'infini fait tout, je n'ai qu'un à pas accepter. Jésus-Christ, mon camarade, lui-même, tous les rois. Jésus-Christ, mon camarade, lui-même, capable sur toi. Dégagez, mon camarade. Dégagez, mon camarade. Fin des marches, te pas tarder. Jésus-Christ, verse vers toi. Soleil va grand-ver. Vine confesse ton péché. Vine dis mani pardon. Et pardonne-toi la joie. Avec tout seul amour. L'indi est dans son parole. Tout ce qui fatigue. Soyez gros beau fardeau, viens avec lui pour qu'un repos. Oh oui, l'unité dans sa parole, tu sais qu'il fatigue. Soyez gros beau fardeau, viens avec lui pour qu'un repos. Jésus-Christ, mon camarade, lui-même, tous les rois. Jésus-Christ, mon camarade. Et lui-même capable sur toi. Ouais, lui-même nous les rois ensemble. Lui-même nous les rois. Et lui-même nous sauver. Christ le Fils de Dieu. Lui-même sauver. Lui-même nous les rois. Et lui-même nous sauver. Christ le Fils de Dieu. Lui-même sauver, lui-même nous les rois, lui-même nous sauver. Christ le Fils de Dieu, lui-même sauver. Alléluia! Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu puissant nous servons! Ah, nous avons un Dieu extraordinaire. Nous l'aimons, n'est-ce pas? Tu es merveilleux. Le frère Sidney priera pour nous. On se voit ici, n'oublie pas, mercredi, pas de réunion. Ceux qui auront l'occasion peuvent aller voir. Le frère prêchera, le frère Soulouf prêchera à Flac chez le frère Darmen, mercredi soir, après-midi.
Et si les arrangements tiennent bon, si on a l'aval du pasteur, lui, il ira prêcher chez le frère Choc mercredi soir. Vous êtes libre d'aller assister aux réunions. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face quand ton regard se pose sur moi. Ta grâce abonde en moi, Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé. Dernière fois, Seigneur, fais-moi la grâce d'aller jusqu'à la fin avec toi. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à Sidé. Nous te remercions, Père éternel, pour ce rafraîchissement de ton Esprit Saint. Seigneur, tu l'avais promis. En ce jour-ci, Seigneur Dieu, tu serais en nous, Père éternel. Nous serons en toi. Père céleste, c'est l'union invisible de l'époux et de l'épouse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est ici, Seigneur, la demeure future. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ta parole qui a été prêchée avec une si grande assurance. Seigneur, nous ne pouvons convaincre les cœurs, mais Seigneur, nous savons que ton Esprit Saint, Seigneur, c'est lui qui convainc les cœurs. Nous sommes arrivés en ce temps, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons nous réjouir que nous avons un royaume qui est même supérieur que le royaume du roi Salomon, Seigneur Dieu. Car tu es venu et tu as déclaré, Seigneur, qu'un plus grand que Salomon est ici. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous l'avons manifesté, nous avons vu manifester sous nos yeux, Seigneur. Nous avons été des témoins, Seigneur Dieu, oculaires, Seigneur Dieu, de ta manifestation dans ce temps de la fin. Merci pour l'Esprit Saint, Seigneur, qui règne dans cette salle. L'atmosphère spirituelle, l'environnement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu crées toi-même au milieu, Seigneur, des fils et des filles de Dieu. Seigneur, merci pour ce festin, Seigneur, ce matin. Nous étions ainsi à la table du roi, Seigneur, et nous étions en train de manger, Seigneur Dieu, la chair du Fils de l'homme. Certainement, tu l'as déclaré là. Oui, le cadavre, là, ça semble les aigles. Nous te demandons de bénir richement notre bien-aimé frère Latola, Seigneur Dieu. Seigneur, puisses-tu, Seigneur, renouveler ses forces, oh Dieu, pour les prochaines réunions. Bénis, Seigneur Dieu, également, Seigneur Dieu, ton pasteur, Seigneur, qui a été l'interprète ce matin. Puisses-tu le fortifier. Nous te confions tous les autres réunions à venir. Et puisses-tu, Seigneur Dieu, nous parler de la même manière, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous attendons humblement et simplement à toi. Alors, Seigneur Dieu, que nous repartons, Seigneur, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, disant certainement tu étais là ce matin et tu nous parlais et tu nous as parlé, Seigneur. Merci de prendre soin de chacun d'entre nous et les moyens de transport qui nous ramènent à la maison. Nous te le disons. Merci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Je crois que le frère Paboula, dimanche prochain, les diacres vont emmener le frère va être dehors. Les gens peuvent l'acclamer. Le frère, parce qu'il ne sera pas la semaine prochaine, il sera chez le frère Darmen. Alors il sera ici que jeudi. N'oubliez pas, pas de réunion mercredi, jeudi à 10h. Ok. Les huissiers font sortir les frères. Chante, allez. Non, c'est quoi? Chante. Alléluia, ô Seigneur.
sortir en paix. Chant Alléluia, c'est chant Alléluia, Alléluia, chant. Sing alléluia to the Lord, sortez en paix. Sing alléluia to the Lord. Sing.